Cette belle île des Évins nous attirait. On l'a trouvée magique et on voulait en quelque sorte lui offrir une belle image. Et nous avons eu l'idée de cette traversée des Évins à la nage. 80 nageurs qui se sont inscrits en 3 jours. Donc on savait qu'on allait avoir un certain succès, mais ça a été au-delà de nos espérances. De départ, en fait, 15h et 15h15, les plus lents partent en premier et les plus rapides rejoindront les moins rapides, forcément, pour qu'il y ait une arrivée qui soit le plus groupée possible. La traversée représente une distance de 3 600 km. C'est toujours des sensations merveilleuses. On va dire qu'on a la chance d'avoir un superbe terrain de jeu ici. Donc faire profiter tout le monde, c'est une superbe organisation en plus. Donc ouais, c'est super. Je cours pour l'association, la FNP, Association Neuropathique Périphérique, qui je défends depuis pratiquement une dizaine d'années. C'est pour le bien des malades, donc c'est vraiment intéressant, une belle association. Ça m'a tout de suite plu, cette idée de traverser... En plus, dans un esprit festif, sans forcément de compétition à la clé, etc. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est assez long, c'est assez dur, mais ça se fait, quoi. C'est presque la distance Ironman, donc pour un entraînement, c'est top. Ah, c'était un sacré travail, surtout qu'on a commencé le 1er mars par une réunion à la mairie avec le canoë kayak Presqu'île Côte d'Amour et le très connu cercle nautique La Baule Bouliguin Pornichet, qui amène les bateaux et les kayaks qui vont permettre de gérer la sécurité. Donc c'est une très belle association sous la houlette de la mairie et on s'en félicite. Nous avons en bénévole, alors là c'est quelque chose de très important, 60 bénévoles dans une trentaine du club du Cascade. C'est bien, bien organisé et puis au niveau visuel c'est assez intéressant que tout le monde puisse voir ça de la baie de la Baule. Niveau parcours, c'est pareil, ils font une petite arrivée le long de la plage, donc c'est assez sympa, quoi. Pas de pression, pas de temps, donc c'est vraiment... on prend du plaisir. J'ai toujours eu envie d'aller aux Évins, en bateau, et revenir en bateau. Mais quand on m'a parlé de cette édition, je me suis dit c'est vraiment l'occasion d'y aller et de profiter, de faire une super traversée. Je pouvais pas imaginer mieux, en fait. Vraiment génial, quoi, tout plat et... Enfin, parfait, quoi. Bon, donc de retour l'année prochaine. Oui, ça c'est sûr.